tête. D'ailleurs, pour la première fois, on a rencontré deux vététistes qui sont là. Et on va descendre dans le vallon qui est là et qui va nous ramener à Lons. La crête, c'était un régal. Pas vrai, Lucky? Ah, nickel. Allez. Plus de piles. Voilà, notre chemin est là. Il sera descendant dans un petit moment. La crête continuait là-haut, jusqu'à Colbas qui domine Anotte, c'est la station de ski de fond. Et on a mis Lucky. T'es passé par devant? T'es cassé le nez? T'as rien eu? Et ouais, ouais, vite. Les chutes, ça arrive. Ça fait une poule. Oui, sentier, un peu cassant. Ouais, si tu rebondis, c'est que t'es trop gonflé. On descend tout en bas. Après le travers en balcon, ça va être en sous-bois, ça va être merveilleux. On va avoir l'œil partout, hein. Ouais. Sur les branches. Sur les feuilles. Oh, putain. C'est vrai qu'il est pas très bien entretenu, mais c'est normal, hein, il est vraiment perdu ce chemin. Doit être à mi-pente, hein. Ben, l'orage a un peu emporté notre chemin. Mais ça fait rien. Plus tu vas vite, mieux c'est. Ah, c'est du grandiose, hein, vraiment. Fin des lacets. Génial. Comme l'a dit Lucky. Un seul mot, génial. Retour au goudron. Alors on vient de tout là-haut. Un superbe chemin dans les bois et en balcon. Et à la fin, une piste que vous découvrez là. Sympa aussi. La boucle est presque bouclée, il faut encore rentrer à Thoram.